Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie. Anne Clémentine Larocque, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Il faut bien préciser à notre auditoire que Anne Clémentine Larocque, spécialiste de l'idéologie islamiste, maître de conférences à Sciences Po Paris, et chercheuse associée au CEDEG du Caire, elle occupe le poste d'analyste spécialisé pour la justice française depuis 2016. Elle est l'auteur de nombreux articles et d'un essai paru en janvier 2018, l'islamisme au pouvoir, le cas de la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, PUF 2018. Et aussi de géopolitique des islamistes, que sais-je, toujours le même éditeur, un PUF, deuxième édition 2016, et co-auteur, tir de Bataclan, oui. Récit oui, et analyse en 2016. Anne Clémentine Larocque, comme vous le savez, la situation internationale fait de votre livre un livre d'actualité. Ben écoutez, oui, tout à fait. On est dans, sauf que la donne commence, vous savez comment ça se passe, il y a une évolution rapide hein, sur ce dossier qui a commencé avec, dans le temps avec des frères musulmans, après on a passé aux salafistes, et après maintenant on parle de new salafistes, hein, l'arrivée en force des Émiratis, l'abandon quelque part des Saoudiens, la guerre directe avec les frères musulmans côté Qatari, et tout ça chamboule un petit peu la vie de Monsieur Lambda, la vie de ce musulman qui se trouve notamment en Europe, mais aussi fait beaucoup de remous sur le plan politique sur les pays dits musulmans, et notamment le cas du Maroc et de la Tunisie et de l'Égypte, les pays que vous avez choisis par rapport à votre essai. Vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit réellement et d'autres constats à vous après ces longues recherches, je crois qu'ils ont duré un certain temps quand même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis interrogée sur ce qui s'était passé effectivement à partir de 2011. Mmh. Et surtout, j'ai essayé de retrouver aussi l'origine de cette arrivée en fait des islamistes à la fois sur la scène politique, mais aussi au pouvoir quand ils ont été élus. Et pour ça, donc, je suis allée dans les trois pays pendant mes congés, notamment parce que j'étais professeure auparavant. Mmh. Et donc, j'y suis allée à peu près une quinzaine de fois dans chaque pays, me finançant proprement, entre guillemets, enfin moi-même. Mmh. Et j'ai eu la chance de pouvoir aussi compter sur mes contacts avec l'ambassade de France, qui, en fait, à chaque fois, les diplomates m'ont permis aussi de rencontrer des gens quand même d'une manière assez sécurisée. Mmh. Parce qu'en Égypte, c'était quand même pas forcément évident, vous voyez, de mettre en contact avec les salafistes, avec même certains anciens frères musulmans, comme Aboul El Foutour, qui aujourd'hui est emprisonné d'ailleurs, qui avait créé un parti qui s'appelle l'Égypte Forte, qui avait été permis, en fait, il avait réussi à passer outre l'arrivée de Al-Sisi. Mais Al-Sisi l'a fait arrêter début 2018 parce qu'il avait critiqué et boycotté les élections présidentielles, qu'il jugeait truquées. Donc voilà, j'ai pu rencontrer des gens comme ça. J'ai rencontré donc des politiques, des chefs politiques, des leaders parlementaires des Narda donc en Tunisie, du PJD au Maroc, des membres aussi de la société civile, des directeurs d'associations, mais aussi j'ai rencontré bien évidemment tous les instituts de recherche. L'IRMC, l'IRD, l'IFPO, le CEDEJ, donc au Caire, avec donc des chercheurs qui sont sur place et qui peuvent parler de ça. Et enfin, j'ai aussi rencontré, ça m'avait semblé intéressant de le prendre par cet angle-là, des religieux catholiques, chrétiens, qui m'ont fait part en fait de leur vision aussi, notamment en Égypte avec Adrien Candillard, qui est dominicain donc et qui est aussi auteur, très bon auteur sur l'islamisme, islamologue donc de formation. Et le père Nourissa, qui est donc la personne en responsabilité de l'archevêché de Casablanca. Ben écoutez, moi je vous pose, puisque la dernière fois on a parlé du cas du Maroc, vous vous rappelez, on a développé ce côté marocain. Maintenant, puisqu'on parle de l'Égypte, c'est très important que notre auditoire puisse savoir de quoi il s'agit réellement par rapport à cette arrivée des islamistes, mais surtout, l'arrivée aussi de Maréchal Sissi. Bien sûr. Bah, en fait, si vous voulez, c'est la tradition, vous savez, des frères musulmans, elle est née en Égypte, hein, en 1928, avec Hassan al-Banna, qui est donc le grand-père de Tariq Ramadan. Et c'est vrai que de l'Égypte,
traditionnellement, hein, le berceau des frères se trouve en Égypte. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, de 1928 jusqu'à Hosni Moubarak, donc le Reich, donc, qui a été déchu en 2011, eh bien, il y a toujours eu un « je t'aime, moi non plus », entre guillemets, du pouvoir avec les frères musulmans qui ont, le pouvoir à chercher, ça a toujours instrumentalisé les frères musulmans ou à les réprimer. Mmh. Et ça, ça a créé aussi la diffusion des frères musulmans, notamment en Arabie Saoudite, sous Nasser, comme vous le savez, quand Nasser les a fortement réprimés. Ce qui se passe, c'est que les frères musulmans étaient revenus, si je puis dire, en odeur de pas de sainteté, mais en tout cas étaient tolérés par le pouvoir en 2005, où il y avait eu une réforme constitutionnelle qui leur permettait quand même de s'agréger à des listes d'autres politiques. Ils n'avaient pas le droit d'avoir leur propre liste, mais ils avaient le droit d'exister, si vous voulez, quand même en tant que frères musulmans, dans d'autres listes. Donc il y avait un pas, une avancée qui avait été faite. Mais de toute façon, bon, ils n'étaient pas, pas prévus qu'ils puissent arriver au pouvoir. Et c'est vrai qu'avec cette révolution, hein, véritablement, ce renversement, ce bouleversement, en 2011, la disparition d'Hosni Moubarak a permis donc aux jeunesses libérales qui ont instigé les révolutions de pouvoir se mettre en avant. Mais c'est surtout la force islamiste des frères musulmans qui a pu, par opportunité, se réintroduire et pouvoir présenter effectivement des listes. Donc ils ont été concurrencés, si je puis dire, par les salafistes aussi. Les salafistes donc, étaient plus soutenus par l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui sont véritablement soutenus par le pouvoir d'Al-Sisi. Il faut comprendre, c'est qu'en fait, Al-Sisi, en 2013, quand il est arrivé, il a justifié son coup d'État. Alors, on l'appelle coup d'État ou pas, mais en tout cas, moi je choisis de l'appeler coup d'État, parce que finalement, son arrivée n'a pas été légitimée par une élection démocratique. Elle a été légitimée après, mais sur le moment, il a quand même très clairement pris le pouvoir le 3 juillet, on s'en souvient, 2013, parce que la rue était au Caire, c'est vrai. Les Égyptiens n'avaient jamais été aussi nombreux dans les rues, même en 2011. Donc, il a justifié sa prise d'autorité et de pouvoir alors qu'il était ministre de la Défense contre donc son président Morsi, qui était frère musulman élu depuis 2012. Et à ce moment-là, en fait, il se passe quelque chose, c'est que bon, les militaires se sont une fois de plus opposés aux islamistes. Et quand Sisi est arrivé, 6 mois plus tard, il a commencé à prononcer et à faire prononcer des sanctions, des peines et mettre en place des arrestations contre les frères musulmans qui ont clairement été purgés. Mais il y a une question qui s'impose, madame, surtout dans ce contexte-là. Hein, vous voyez, vous avez dit au départ comme quoi les frères musulmans étaient soutenus par l'Arabie Saoudite. Au départ. Alors, oui, bien sûr, au départ. Oui, et après. Oui, justement. Et là, on trouve, on vit un point d'inflexion de taille quand même. Donc, les frères musulmans de l'Égypte sont laissés tomber par. Totalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est pour être clair, c'est vrai qu'il faudrait rentrer un petit peu dans les détails, mais. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un point de rupture entre les frères et l'Arabie Saoudite? C'est après la guerre en Afghanistan, qui a duré donc de 79 à 89. On avait eu une congruence, vous le savez, des frères musulmans qui étaient venus aider les moudjahidines afghans. L'Arabie Saoudite et les États-Unis ont financé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une volonté, en fait, des frères musulmans aussi de se séparer des Saoudiens, parce qu'ils ont jugé, mais comme d'autres salafistes aussi, que l'Arabie Saoudite était beaucoup trop à la botte des Américains et que cet aspect-là ne pouvait pas être, si vous voulez, soutenu et reconnu par la confrérie qui s'est donc dégrafée en fait de l'influence saoudienne. Et en revanche, l'Arabie Saoudite donc a soutenu des mouvements salafistes, hein, parce que les frères musulmans ne sont pas des salafistes au départ. Il y a eu une salafisation de la confrérie depuis une quinzaine d'années, c'est vrai. Hein, on ne voyait jamais avant de femmes totalement voilés ou d'hommes complètement, je dirais, avec des manifestations extérieures de l'islam. Hein, les frères musulmans, ils se présentaient toujours, vous savez, en costume, sans barbe, en broussailles, ni rien. Et c'est vrai qu'il y a une salafisation qui s'est mise en place à partir des années 90-2000, qui est très claire. Donc sur le contenu, ils sont salafisés, mais ça reste deux branches de l'islamisme qui ne sont pas les mêmes et qui politiquement n'agissent pas de la même manière. Les salafistes, au départ, ils ne veulent pas exister politiquement, au départ. Alors que les frères ont toujours dit qu'ils voulaient exister, ils avaient des représentants, des intellectuels, hein, ils ont des stratégies politiques qui sont établies. Et effectivement, en 2011, en Égypte, ils sont arrivés en tête avec donc les salafistes à côté, hein, ce qu'on appelle le parti Al-Nour, qui est encore actuellement existant en Égypte. Et à partir de ce moment-là, salafistes et frères musulmans ont essayé de coordonner quand même
si vous voulez, leurs actions. L'arrivée de Sisi a complètement fracturé cette alliance entre les salafistes et les frères musulmans. Mmh. Il a déclaré, donc, un an et demi après être arrivé, que l'organisation, enfin, la confrérie des frères musulmans était une organisation terroriste, hein. C'est-à-dire qu'il considère, lui, que tout frère musulman est terroriste. Donc, Sisi a totalement amalgamé la puissance politique des frères musulmans avec les terroristes de l'islamisme radical, avec les djihadistes, Al-Qaïda et l'État islamique. Vous voyez, il a vraiment permis ça. Et c'est vrai que quand on voit le discours de Donald Trump aujourd'hui, il suit ça. Bien sûr. Vous voyez, bien sûr. Et donc, on est au contraire, on n'est pas dans la nuance et dans l'analyse de ce qu'il y a, mais on est dans une volonté aussi, si vous voulez, de diaboliser les frères musulmans, même si les frères ont eu des stratégies d'islamisation à terme. Mais ce n'est pas du tout les mêmes moyens utilisés que les djihadistes. Bah écoutez, dans ce contexte-là, parce que vous avez bien fait de le dire, hein, donc c'est très important aussi de le signaler, il y a un amalgame qui s'est créé. Cet amalgame a eu de l'impact aussi chez nous ici, donc en France. Et aussi, on rentre dans ce qu'on appelle un déroulé narratoire qui est dans le sens que tout simplement musulman est presque équivalent d'un terroriste. Ah bah oui, voilà. Et la question qui se pose, c'est que tout simplement, vu déjà notamment les Français, il y avait une certaine ignorance, hein, quand même, de l'islam et des musulmans. On connaît un petit peu les Maghrébins, mais on connaît pas l'islam, sans plus. Hein. Et ça, il y a beaucoup d'explications qui ont été dites par d'autres intervenants, et surtout cette abonde des orientalistes, hein, comme on dit dans le temps. Et, tout ça, ça a donné de l'effet, et on se trouve avec une guéguerre entre des gens qui connaissent pas de quoi il s'agit, et d'autres qui sont déjà avec une étiquette sur le dos, qui sont des islamistes terroristes. Hein. Maintenant, selon vous, et vu votre expérience, comment peut-on faire la distinction entre un islamiste, ou bien de l'islamisme, et le radicalisme, et qui arrive à un certain temps à un acte terroriste, parce que jusqu'à maintenant, on se trouve dans une situation compliquée. Est-ce qu'il y a possibilité, d'une manière intellectuelle, je parle, d'une manière intellectuelle, de faire la distinction et de faire la part des choses, parce que ce n'est pas juste de considérer chaque musulman un terroriste. Ah non, c'est pas possible. Et justement, dans mon livre, donc, L'islamisme au pouvoir, moi, mon objectif, et j'avais commencé dans mon que sais-je, géopolitique des islamismes, j'essaye dans mon livre de montrer si vous voulez, l'islamisme des frères musulmans, quand ils arrivent au pouvoir, va constituer finalement un rempart contre le djihadisme. Alors, ça plaît pas du tout aux gens qui ont décidé justement de mettre tout le monde dans le même panier. Mais moi, mon objectif, c'est pas de faire de la politique, c'est d'expliquer. Ce qui se passe, c'est que si vous voulez, quand vous avez des islamistes, donc frères musulmans d'origine, Ennahda en Tunisie, le PJD au Maroc, le PLJ en Égypte qui arrivent, bon, en Égypte, ça a échoué, puisque c'est les militaires qui ont pris le pouvoir, mais en Tunisie et au Maroc, très clairement, il y a eu des menaces faites sur Ennahda, il y en a encore d'ailleurs, hein, et sur le PJD, de la part des organisations terroristes, Al-Qaïda ou l'État islamique, qui, vous le savez, perpétuent leur action en Afrique du Nord, via le Sahel, etc., parce qu'ils considèrent justement que ces islamistes-là, anciennement, pouvaient faire partie de leur camp, mais aujourd'hui, sont des apostats. Hein, ce qu'on appelle les munafikoun, c'est-à-dire les hypocrites. Ce sont des hypocrites, des apostats, c'est des faux musulmans. Et c'est là, le problème, c'est que c'est aussi, vous savez, vous avez raison, vous dites, on fait un amalgame entre musulmans et terroristes. Mais les terroristes eux-mêmes font l'amalgame, puisqu'ils se disent musulmans aux yeux du monde. Vous voyez ? Par exemple, quand on a l'attentat en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, vous vous souvenez, les deux mosquées. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, le suprémaciste blanc qui a commis ces attentats-là. L'État islamique, le 18 mars, fait un communiqué en disant, donc se réapproprie les choses, en disant « Nous sommes consternés par ce qui s'est passé, les Occidentaux ont des larmes de crocodile et nous allons, nous, venger les musulmans du monde, puisque nous représentons les musulmans du monde. » Ils ne disent pas les islamistes, les terroristes ou autres. Et c'est là où l'amalgame est fait aussi, c'est qu'eux se présentent simplement comme des musulmans. Quand vous écoutez dans les box de la justice, les salafistes, salafo-djihadistes qui se présentent, c'était noté dans le journal du Monde quand ça a eu lieu, quand Abdelkader Mera, le frère, parle de lui, il se dit « Je suis un musulman orthodoxe ». À aucun moment, il parle d'islamisme, de salafisme, ou encore moins de djihadisme. Vous voyez ? Donc,
cet amalgame-là, il existe. Intellectuellement, comment est-ce qu'on peut différencier les choses? Un musulman, c'est quelqu'un qui pratique sa religion, hein, avec son droit, sa liberté de culte, évidemment. Mmh. Un islamiste, c'est celui qui va être musulman, mais qui va revendiquer politiquement une volonté d'attacher l'islam à la sphère politique et sociale. Mmh. Et ensuite, un islamiste radical, violent, mmh, et terroriste, c'est celui qui va utiliser le terrorisme pour pouvoir mettre en place justement la charia ou donc un islam qui domine le monde entier. On est dans des degrés et des moyens qui sont différents, totalement différents. Bien sûr. Madame Larocque, avec cette analyse, hein, qu'est-ce que peut-on dire, par exemple, maintenant, ici en France, qu'est-ce qu'on peut dire sur les frères musulmans? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arrivée des Émiratis? Et qu'est-ce qu'on peut dire avec la présence des Saoudiens qui se trouvent partout, il faut dire les choses telles qu'elles sont, lesquels parmi eux qui est islamiste ou bien tout simplement un musulman, sachant que la quasi-totalité de ces trois groupes, leur population d'origine presque n'existe pas ici. Donc il y a pas la quasi-totalité, ce sont des Maghrébins. Donc on est sur une autre sphère malikite qui n'a rien à voir ni avec les salafistes ni avec les frérots, comme on dit. Donc comment peut-on arriver sur le plan politique français d'accepter une intrusion de cette nature sur le plan politique? Est-ce que nos politiques ici en France ont la capacité de rejeter ces intrus, hein, sur l'islamisation ici en France? En fait, c'est comme vous le dites, le problème, c'est que l'islam, étant donné que nous sommes une république laïque et que nous sommes justement donc dans une tolérance à l'égard des différents monothéismes et des religions, quelles qu'elles soient, il n'y a pas à avoir d'avis, si vous voulez, du politique sur la manière de pratiquer les gens. Le problème, c'est que ce sujet est devenu politique pour l'islam. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est devenu politique. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy avait créé le CFCM. C'est pour ça que vous avez une politique aujourd'hui bien plus, affûtée sur les mosquées, l'organisation des mosquées et la formation des imams. C'est pour ça que l'État s'en mêle. Mmh. Parce qu'il y a eu, si vous voulez, l'amalgame politique a été fait. Donc, l'État lui-même a dû intervenir. C'est vrai. Après, sur le fait que vous ayez des groupes, les musulmans de France, qui sont en fait l'UOIF, enfin, les frères musulmans, effectivement, prennent du poids dans les institutions, ça c'est clair, prennent du poids dans les collectivités territoriales et veulent exister davantage politiquement en France, ça c'est quelque chose où il faut avoir une vigilance, parce que l'objectif n'est pas forcément, c'est absolument pas de mettre une bombe ou que ce soit. Les frères musulmans, ils sont très intégrés à la société. Et leur discours est très intégré, et leur discours est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il est intellectuel. Vous voyez, ce sont des intellectuels. Là où les Émiratis ou les Saoudiens, ça va être autre chose. C'est quoi cette chose par rapport aux Émiratis? Ah bah eux, il y a l'aspect financier aussi, investissement, vous voyez. Ils font, par des investissements et du hard power, ils font du soft power, c'est-à-dire qu'ils vont investir pour pouvoir aussi diffuser l'idéologie salafiste en donnant des moyens tout en faisant du business dans les pays concernés. Ils font la même chose en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, hein, vous savez, depuis 20 ou 30 ans. Ouais, mais le terrain est plus fertile ici en France. Ben là, le terrain devient fertile parce que, effectivement, vous avez... En fait, ils vont partout, comme les c'est un peu comme les djihadistes, sauf que c'est... ils vont partout où il y a des fractures. C'est vrai. Elle est bonne, celle-là. C'est comme des djihadistes. C'est-à-dire qu'ils vont partout où il y a des fractures parce qu'effectivement, il y a des besoins et donc il y a une offre qui se fait. Vous voyez? Donc c'est plus vicieux. C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut qualifier ça de vicieux. En tout cas, on peut qualifier ça d'opportunisme. Oui, c'est sûr. Ils ont conscience que... ils peuvent davantage s'implanter, mais ça, ils ont une stratégie depuis les années 60-70, comme c'est les frères, d'ailleurs, qui leur ont donné des moyens d'action. Les frères musulmans, n'oubliez pas, hein, ont bénéficié des pétrodollars saoudiens, et ont donné aussi leur savoir-faire aux saoudiens. D'accord. C'est-à-dire à la manière dont ils pouvaient justement créer une forme de diaspora dans le monde, où ils pouvaient justement aller faire du réseau, des contacts, et s'infiltrer, entre guillemets, dans les pays. L'objectif, c'est d'exister après le pétrole aussi, pour les Émiratis et les Saoudiens, vous le savez. Mmh. Et l'objectif, c'est aussi de salafiser. Il y a une volonté d'expansion. Alors, ils n'utilisent pas des bombes et des kamikazes, des chaïds ou des femmes pour le faire, mais ils vont utiliser leurs moyens financiers
et ils vont créer des instituts, et ils vont, voilà, des écoles coraniques, et ils vont... Alors, il y a une question qui s'impose, parce que le temps presse, comme vous le savez, il y a quatre intervenants. Est-ce que peut-on dire que les Émiratis, ou bien MBZ, elle est en train de détrôner MBS par rapport à cet aspect salafiste que au départ, c'était l'Arabie Saoudite qui mène un petit peu le débat. Maintenant, on voit l'arrivée des Émiratis. Est-ce que cela signifie tout simplement qu'il y a une concurrence assez forte entre les deux et est-ce qu'il va durer longtemps cette entente? Moi, je pense pas que ce soit si simple. Peut-être que je me trompe, en tout cas... Mm-hmm. La concurrence, elle existe très clairement entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est vrai. Mais les Émiratis restent des alliés des Saoudiens, ne l'oublions pas. Alors, ils veulent exister, c'est vrai, mais ils restent quand même toujours sur le positionnement... Donc, l'Arabie Saoudite doit céder dans ce cas-là. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, à mon avis, une tacite entente entre les deux, où effectivement, ils doivent se départager, à mon avis, les endroits où ils vont, vous voyez ? Une sorte de partage de leadership... avec effectivement, à mon avis, toujours une méfiance de l'Arabie Saoudite sur le fait que les Émiratis cherchent à la dépasser. C'est normal, hein, c'est le principe du disciple et maître. Mais je dirais pas nécessairement. Je pense que l'Arabie Saoudite a quand même été quand même bien ciblée, stigmatisée, et la politique d'MBS a très bien débuté, sauf qu'il y a eu l'affaire Khashoggi, comme vous le savez, qui a quand même mis du plomb dans l'aile vraiment en Occident sur son image. Et c'est vrai que, de fait, je pense que du coup, par conséquent, les Émiratis prennent un peu le relais le temps que l'Arabie Saoudite, si vous voulez, puisse reconstituer, je pense, une stratégie médiatique plus propre. Voilà. Parfait. Anne-Clémentine Larocque, merci infiniment de cet éclairage, fort intéressant. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie.